Il semble qu'il y ait une vraie dynamique qui vient de l'élection présidentielle et que celles et ceux qui ont élu François Hollande sont satisfaits d'abord des premières semaines du président et du gouvernement de Jean-Marc Ayrault et ont vraiment envie de leur donner les moyens parlementaires de mettre en œuvre leur politique. Cela dit, nous ne sommes qu'au premier tour. Il faut maintenant créer le rassemblement le plus puissant possible avec beaucoup de votants, parce que c'est vrai que quand les élections législatives ont lieu tout de suite après la présidentielle, certains de nos concitoyens ont l'impression qu'il n'y a plus rien à faire. Non, il faut créer cette mobilisation pour que le second tour soit vraiment un second tour qui permette de réussir les 5 ans qui viennent, le redressement de la France, la justice sociale, la croissance, l'emploi. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire pendant 5 ans par les moyens parlementaires, donc par le vote de dimanche prochain, pour que ces 5 ans soient réussis et que les Français voient bien que grâce à la gauche, eh bien, la France est plus juste et qu'elle marche mieux. Le taux de participation est plutôt faible. Est-ce que c'est un message lequel et que répondre ? Il est le même qu'il y a 5 ans aux législatives. Ça veut dire que quand les gens ont participé pendant des mois, à une campagne présidentielle extrêmement intense, extrêmement tonique, bon, ils ont l'impression que c'est fait. Et non, c'est à nous de faire œuvre de pédagogie démocratique et de dire c'est pas fait. Nous ne sommes pas un régime présidentiel, nous sommes un régime présidentiel et parlementaire. Et pour la réforme fiscale, et pour la croissance, et pour la banque publique d'investissement, et pour les moyens pour le service public, il faut une majorité à l'Assemblée nationale. Donc il faut le 17 juin voter très massivement et voter à gauche. Le rassemblement des forces progressistes et écologistes est décisif parce que dimanche prochain, il n'y aura qu'un seul candidat de cette gauche rassemblée qui se présentera devant les citoyens dans chaque circonscription. Il faudra donc lui donner de la force.